Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue sur TAC 509, tout haïtien connecté. C'est moment pour émission Mon éditorial rentrée la caillou. Dernière micro-présentation, c'est encore moi Yannick qui va être le devoir pour venir former et de comprendre plus bien différents enjeux sociopolitiques qui ont dominé l'actualité pays d'Haïti. De même, nous avons une sécurité à l'hypergame, quand pas vrai? Bandi ap taye banda chaque jour dans tout pays, c'est le même pour processus électoral dans tout li avale terrain. Alors que il y a des mesures techniques qui indispensables pour permettre à ce que conseil électoral provisoire li organise élection générale yo atteint suivant date qui prévoit dans calendrier électoral lan. Mais jusqu'à date nous senti que yo poko ka abouti dans processus. Et bien émission jodi an c'est moment pour découvrir quatre grands acteurs qui cachent des processus électoraux là pour nous remettre en question le principe de l'élection libre, honnête, inclusive mais jamais accessible à tous et pour nous finir gain différents paramètres m'a présenté qui pral déterminer si oui ou non CEPA prend mesure pour organiser élection yo dans date 19 septembre prochain. Eh bien restez connecté, m'a retourner tout à l'heure. Mes amis, déjà, si nous parlons de l'élection, là, il est important pour nous comprendre et analyser l'enjeu électoral là, à travers différents acteurs qui impliquent dans tout processus. Tout au long du processus, depuis l'élaboration du décret électoral là, pour nous arriver dans le jour élection, il y a différents acteurs qui sont intervenus pour organiser l'élection. C'est pour raison ça, m'a commencé avec acteurs qui sont influents dans le processus électoral là. Premier acteur nous gagne, c'est la communauté internationale. La communauté internationale, c'est un acteur qui est incontournable. Le map de communauté internationale, là, nous jouons l'Union européenne, nous jouons l'OEA, nous jouons l'ONU, et nous gagne également les pays qui disent c'est les pays amis d'Haïti. C'est Mounsayo, des fois, qui finançait processus électoral. C'est eux-mêmes qui mettaient des observateurs là pour garder comment l'élection a déroulé. Eh bien, ça crivait, communauté internationale, là, surtout dans pays pauvres, avec pays en voie de développement, pays sous-développés, aux gens qui sont dans le yo joué un rôle à la fois de trésorerie et yo gon rôle abit. Yo joué un rôle trésorerie parce que yo même qui baye comme pour financer l'élection. Là, nous avons une idée de principe qui finance comment là. Ça a l'air clair. Si moun la mette 10 millions, mette 100 millions, ça va mette 20 millions, y a toujours gen intention pour yon passer l'ordre sou moun yon vle ki pou nan tête pays kap nan intérêt yo. Ça c'est clair. Eh bien, c'est en ce sens que wap toujours jouen en pile moun pral cacher de le fanatisme pour le vin dou le contraire. Mais en Haïti, c'est communauté internationale lan qui toujours valide dernier résultat scrutin électoral lan. Pas gen en sortie de là. En dedans même communauté internationale, ça nous gagne trois organes qui l'ont pour assurer mise en place élection. Nous gagne CEPA qui c'est une institution nationale qui gagne lui-même pour mission pour organiser élection, la fixer une date pour élection, la assurer de logistique, la et juger admissibilité candidat. Mais tout ça toujours c'est sous contrôle et communauté internationale là. À travers le processus pour l'élaborer, je ça toujours fait. Et pas dans première élection en Haïti ou gain des observateurs, c'est pas première élection en Haïti ou pral tande ces communautés internationales qui financent la grande majorité et dans corps blanc. C'est des bagages qui toujours fait. Et nous pas prêt pour nous sortir là-dedans parce que Haïti pas sous chemin développement. Haïti pas sous chemin développement. Nous te gon slogan en 2011 avec Martelly, yo dou Haïti is open for business. Là, nous pas ni dans business, nous pas ni dans développement, nous pas dans rien. Nous seulement à essayer survivre, à vivre au jour le jour. Ça, c'est clair, point bon. Deuxième acteur nous gain et pour nous considérer dans le processus électoral là, m'a parlé de pouvoir en place. Dans pouvoir en place, nous ka considérer la travers et organe qui c'est conseil électoral provisoire qui là qui organiser l'élection. Mais la pratique politique toujours fait en sorte que pouvoir là toujours à chercher manipuler l'élection en faveur d'un candidat gagné. Par contre, si n'a pas rappelé un scandale qui était gagné sous administration Préval à cause que t'es reproché ancien président comme quoi il t'a utilisé bien l'état pour faire campagne pour Jules Célestin. Et on t'a fait le vrai. On t'a fait un paquet d'avantages. Déjà l'état baille toute partie politique qui dans l'élection au financement. Mais candidat pouvoir là, il t'a bénéficié plus.
machine l'état fait campagne pour lui, li gen mayo l'état financé, li gen billboard l'état financé, li gen bracelet l'état financé, n'a pas rappelé nous scandale bracelet rose qui était gen avec Jovenel Moïse côté que Martelly qui était ancien président a supporté pour l'impolitique li. Et puis soit attendez à vider bracelet rose tout ça dans l'argent l'état. Donc c'est autant de scandale qui comme si toujours mettait candidat et qui toujours mettait le conseil électoral provisoire dans une situation de confort. Et une remarque toujours fait c'est que opposition politique en Haïti yo pas aimé à l'élection si c'est pas contre transition par yo. Parce que yo déjà connaît leur pouvoir en place, li a supporté et candidat, li gen candidat pas l'a supporté, opposition déjà dans l'eau. Dans la campagne électorale, yo, ou toujours est disparité, ya, ou toujours est candidat pouvoir, li toujours bien passé, li toujours bien sonné, li gen plus popularité. Campagne li toujours bien faite. Alors que candidat opposition yo même, et ou pas ça y a réglé. Ou pas ouais ça y a réglé. Donc tout moun a cherché manipuler processus là dans intérêt yo. De 2006 à 2016, nous quand dit te gen seulement 3 présidents qui démocratiquement élus. Trois présidents qui démocratiquement élus. On parle de président démocratiquement élu puisqu'il y a eu des élections. Mais cependant, m'abstenir du fait que élection ça reflète vraiment yon vote populaire. Depuis ce côté où qui gen communauté internationale, on pas besoin peu. Tout bagay possible. N'a pas continué là. Troisième acteur n'a pas considéré c'est le peuple. C'est la population électrice qui t'a censé pour moins parti qui t'a important dans tout processus électoral là, mais c'est pas le cas pour une raison ou pour l'autre, parce que nous gagnons l'autre acteur qui plus influent par ces peuples là, et c'est pas sans raison nous toujours dans des mon abdou depuis qu'il le peuple qu'on décide, depuis qu'il le peuple qu'on baille pouvoir, malgré nous toujours dans des présidents a dit yo c'est reflet du vote populaire. Mais vote populaire quoi? Vote populaire qui ça? Mon n'a pas jamais gagné courage pour venir d'où son décision en battable qui te prend en faveur li. Ça c'est hors de question, mais ou qu'on est très bien depuis ce côté communauté internationale là. Zami, on sérieux. Ça qui selon moi même pral décourager participation moun nan élection, c'est manque de confiance yo gagne dans classe politique traditionnelle là. Yo prend trop coup nan dos. N'a pas imaginé nous en 2010 Martelly li vini en outsider. On moun ki pa konnen rien nan question politique et puis ba ou tande le président. C'est de même en 2016 Jovenel Moïse vini ni vu ni connu de la scène politique, li paraît li remporter élection ou lè men dès le premier tour, qui par la suite pral contester, finalement li pral élu en 2017. Là nous clair que peuple a jeté discrédit sous politiciens traditionnels yo qui pa jamais ba résultat. Moi même pa konnen de ki résultat yo besoin, mais résultat peuple a besoin dans mes politiciens traditionnels yo pa jamais joni. Yo pa jamais joni, donc là yo retire confiance, yo retire espoir yo gen dans moun ki dans scène politique actuellement là. Et d'ailleurs car opposition à l'élection jodi, à l'élection demain, n'a toujours pas kané. Et tendance faire opposition politique, on ne pas jamais montrer population n'a travaillé pour eux vraiment. Opposition politique qu'on prend des initiatives, yo qu'on crée, yo qu'on participe dans plan de développement pour pays yo. C'est pas seulement contenter nous prendre l'argent et puis aller serrer l'argent à l'étranger, aller acheter car à l'étranger, mais non, faut nous participer dans développement pays nous tout. Quatrième et dernier acteur qui participe dans processus électoral là, ce sont les partis politiques. Les jonjon politiques, les emmerdements de l'État. Et ça oui. Nan paye nou tellement gen parti politique yo tan kou fourmi. Et fourmi fou yo. D'ailleurs là yo sans réelle structure, yo pa gen plan de développement, yo pa gen idéologie convaincante. Yo seulement contenté organiser élection, organiser manifestation, emmerder moun toute journée et mettre des barricades qui pas utile en merde. Avec opposition nou gen là, c'est comme si t'es pour un panier couler ou voyer chercher de l'eau dans la mer. Bon dis nous, on bagaille qui simple. Au-delà de toute période électorale, nous pas jamais entendu aucune activité citoyenne, aucun engagement civique que parti politique prend pour former population. Alors que peuple, c'est eux-mêmes qui électeurs. C'est eux-mêmes qui pral décider si oui ou non yo ka fè nou confiance. Nous pas jamais vi regarder yo. Et puis quand élection arrive, nous fou. C'est seulement l'élection arrive ou ap jwenn ou tande gen 100 parti, gen 150 parti, gen 200 regroupement qui pote un intérêt avec quartier populaire yo, qui pote un intérêt avec ghetto yo, qui pote un intérêt avec population. Vin ba yo mayo, vin ba yo bracelet, vin ba yo mil goud, et puis sortande a bon rara tout moun nan la rue après les dé en candidat. Pas possible. Moun yo commencé ouais.
Nous avons commencé à jouer au babete. Grande majorité électeurs nous gagnent, c'est des jeunes. Mais je ne dis pas qui est encadrement nous bas jeunes ça, qui est encadrement nous bénéficier non mais nous, non mais ni pouvoir ni opposition politique là rien. Mine de rien au fait carré à utiliser jeunes pour faire propagande les vivre les abats. Alors que au détourner de vraie réalité paysan. Principe démocratique l'envers que toute élection doit être libre, transparent, crédible, inclusif. Mais est-ce que l'élection ça est accessible à tout le monde? Dans tout débat qu'a fait sous cause élection, toujours remarqué par une considération qui prend sous notion accessibilité hein. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui pral dit autorité l'état yo, quantité moun qui a mobilité réduite dans le pays, quantité électeur qui a mobilité réduite. Depuis après 2 janvier 2010, nombre de campé dans pays li éclaté. Dans pas même les moun handicapé. OK? Ce sont des personnes à mobilité réduite. Ou pas dit moun aveugle kounya ou dit malvoyant. Ou pas dit moun sourd ou dit malentendant. Moun nan manque men li gen mobilité réduite. Parce que là nous rele moun handicapé, nous gen tendance à stigmatiser moun nan, mettre moun nan à part, à faire moun nan senti que li réduit nan li même. Donc, on nous évite faire ça. OK? On nous évite faire ça non souci pour nous inclure tout moun nan tout ça n'a fait. On nous continue. À la base, gros travail qui doit être fait avec KEP1. L'État doit en mesure pour lui connaître différentes catégories électeurs qui ont un handicap. Parce que si vraiment on fait une élection qui est inclusive, par exemple, comment on prend le mandat d'un non-voyant pour aller voter sous des bulletins traditionnels? Il n'est pas jamais capable. C'est pour ça, moun sa yo gon langage qui propre à eux-mêmes. Si dès le départ, vous voulez agir en toute égalité, li ka coûte cher, c'est vrai. Bulletin ka coûte cher, c'est vrai. Mais inclure dans le processus électoral, fait imprimer des bulletins en braille pour moun ki pa wè yo. C'est ti kal sa te ka offri yo, fèl pou yo. Lè sa tout moun a participé dans l'élection, sou on même pied d'égalité. C'est la moindre des choses. Sans pas besoin aller plus loin dans condition de base que situation moun sa exige dans centre de vote yo. Parce que question accessibilité à répondre avec plus yon intérêt de justice sociale, côté doit tout moun respecter et l'État agit dans intérêt collectif. Est-ce que je dis là, nous avons parlé de élection honnête, élection crédible, élection inclusive? Non! Nous pouvons connaître stade ça. Élection, ça, principe, ça aurait été des principes démocratiques, mais dans la pratique, nous faisons autrement. Nous faisons autrement. Mais je dis question à poser tête, non. Est-ce que le possible pour CEP ça river organiser élection en intervalle de 3 mois après référendum? C'est la grande question à 1 million. Donc nous tout là nous libre pour nous bailler opinion nous en commentaire. Et m'a fait mon plaisir pour me lire commentaire parce que c'est important. C'est important. En pile là nous c'est PHTK. En pile là nous c'est opposition. Là on souci d'équité. Là on souci pour nous penser pays. Là on souci pour nous penser à remettre campé institution démocratique. Est-ce que l'impossible pour CEP arriver à organiser l'élection dans un intervalle de 3 mois après référendum? Ça a longtemps depuis les Nations Unies à faire gouvernement exigence vraiment pour organiser l'élection. Organiser l'élection pour mettre campé pour rétablir la démocratie. Mais qui démocratie? Est-ce que nous avons parlé de démocratie alors que il y a une ingérence communauté internationale dans toute décision autorité à prendre? Mais non, nous pas qu'à parler de démocratie. C'est vrai que l'élection aurait été priorité gouvernement, mais il y a différents paramètres techniques pour nous considérer qui permettent nous anticiper sur question réaliser l'élection. Et la permettre nous tout penser à une transition. Imaginez-nous, nous à 2 mois de référendum, non? Nous parlons climat sécuritaire pour l'élection, qui c'est la base même des choses. Comment on rétablir sécurité? Non pays 27 700 km², alors que 500 km² pas qu'à gérer. Ou pas qu'à gérer la village de Dieu. Comment on pral gérer tout pays pour faire élection? Comment on pral di moun yo pran la rue à le voter alors que bandi a terrorisé yo? Ça c'est minimum, non? Ça c'est minimum pour penser. Avant même on penser avec élection, c'est penser comment on pral rétablir sécurité en dedans pays. Même la sécurité a pas ta durée, mais pour période électorale là, comment on va gérer question sécurité? Et gen l'autre aspect encore plus technique pour nous considérer. Référendum en juin. Si référendum ça li favorable, kounya nous pral gen diaspora qui pral ka participer dans l'élection. C'est qui encadrement que CEP en prend pour diaspora yo jusqu'à date nous pas tande merde, nous pas tande rien. OK,
Question organiser élection, le mandat de préparation, c'est vrai. Le mandat de temps, c'est vrai. Mais quand il y a 3 mois de référendum, moi, je trouve extrêmement court. Son période qui très court, compte tenu de légèreté, manque d'efficacité, moun yo pas cohérent même dans l'état en ces jours-ci. Comment on pral vin organiser élection là? Qui bagay sérieux pral vin fè pour dire c'est élection après lui? Moi m'étais très sceptique. Sérieusement, m'étais très sceptique à l'idée que pour nous gain de très bonnes élections en septembre prochain. Mais kounya sa ka privé là, au cas où malgré toute tentative qui fait pour faire élection pas arrivé fait. Ce qui s'est passé, nous prenons sur route pour une transition. Maintenant, 7 février 2022, arrivé Bao. CEP n'a pas en mesure pour le déclarer un nouveau président. Élu. Là, c'est l'échec même du régime PHTK. Que c'est PHTK, que pas PHTK, ça, faut qu'on admette. Si 7 février 2022, pas un nouveau président élu qui prête serment, ren PHTK, il doit finir dedans pays. L'état doit fini parce que li pral solde ak yon transition. N'a pas couru comme si n'a pas couru pour la valasse. Nous tombons dans Grand Rivière. Non. À ce stade de débat, déjà, communauté internationale, là, li conteste légitimité 3 juges qui te gen en cours de cassation. 3 juges que Jovenel Moïse mette là, pendant li mette l'autre à la retraite. Là, ou déjà senti que image institution li entaché. Li entaché vu silence l'autre mambio. René Sylvestre pas jamais dit quoi que ce soit sous nomination ça yo. S'il dit un bagage c'est bienvenu li. Rien, il pas contester, il pas rien. C'est comme si yo mette là, yo prépare en transition avec en douceur, yo prépare en bas avec en batable. Li pas bon. Li pas bon. En plus l'internaute a une chance réagir sous question élection là. M'a l'invité nous tendre des points de vue. C'est extraordinaire pour me rencontrer des haïtiens toujours qui gon élan citoyen dans eux même pour participer dans ça concerne pays yo, yo pas peur ba opinion yo, que c'est trans et que c'est opposition, que c'est allié pouvoir, yo pas peur. Moi aimer ça parce que faut pas peur exprimer. Faut pas peur exprimer, faut pas peur bay point de vue. Peu importe si yo d'accord, si yo pas d'accord avec, ça a gagné comme intention deal. En côté yo non, m'a retourner tout en l'heure pour reste émission. Rêve moi c'est ta pi bon si président Jovenel te ka fè kon le connaît pour organiser sacré l'élection le plus vite que possible parce que pays a pas ka vivre dans affaire transition encore. Pays a pas ka vivre dans sorte de bagarre ça yo encore. Si élection, bon Dieu, papa, nous qui dans le ciel là, t'es arrivé faire nous jouer une chance ça que monsieur de faire couper ou coûte que élection te fait et puis moun cap président vin président. Mon cher, m'ta très content parce que vraiment bah yo pas bon dans sens que a pralé à on bon. Moi-même son président éliminé. Qu'on comprendre. M'ai pas voulu notre addiction parce que et n'avait addiction ça mène nous trop loin parce que chaque président monté il y a toujours deux présidents mandat fini chaque président monté mandat fini et ben qu'on y a si Jovenel pas bail un président élu qu'on y a l'autre président qui va venir il y a toujours fait manifestation il y a deux mandat fini faut qu'il y aille quoi comprendre peuple et peuple là va commencer à ouvrir. Et pas peuple là, non, c'est peuple là dans noir. Peuple ouais qui fait manifestation, c'est grand goût. Moun yo secteur prend tête yo ba yo cob yo prend tête yo pour faire ça ouais à faire. Mais Jovenel Moïse pas rien bien, c'est pas bon, pas bon. Moi ta remet pour nous gagner élection dans pays nous. Une élection pour tout le monde content, pour tout le monde d'accord avec une élection dans pays là. Question de transition, nous parlons de transition dans le pays encore. Si transition est bon pour nous, transition est bon pour nous. Parce que transition n'a pas mené à pays à aucun côté. Nous avons pour nous un président élu sous pouvoir. Et nous avons demandé tout le peuple haïtien. Nous ne pouvons pas le voter au monde pour 50 gouttes. Nous pas voter au monde pour 500 gourdes. Nous pas voter au monde pour 500 gourdes. Et
n'a voté au monde pour venir travailler dans le pays. Les nous votons au monde pour venir travailler dans le pays. Et les gens qui travaillent dans le pays, pour nous tous voir qui ça nous a fait dans le pays. Question de transition, nous parlons de transition. Nous avons demandé tout ce qu'on a à travers le monde, côté nous. En chita pour nous faire une élection dans le pays. Une élection pour tout le monde d'accord. Une élection pour tout le monde qui vient voter dans le pays. Nous avons demandé deux choses pour nous prendre. Deux choses, ça c'est conscience. Il faut que nous ayons conscience. Pour nous dire Haïti pas péri. Faut que nous ayons conscience. Léon nous est un président le travail pour nous baler force, pour nous baler main, pour nous kember mail pour nous travailler. C'est ça n'a demandé. N'a demandé une élection dans pays. Yo président monté les fait tant l'affaire, les descendre, les quitter l'autre président Eli. C'est ça n'a demandé, c'est ça nous voulons pour pays nous gagner. Et n'a demandé un président dans pays là, li wè tout qui gen besoin pour Haïti changer et qui gen besoin pour diaspora sur l'autre pays pour venir travailler dans pays là. Les diaspora venir travailler dans pays là, nous pas gen factory, nous pas gen usine, nous pas gen rien. Les ça, nous avons un président qui travaille, qui fait demande, juste qu'on a vu le travail, le président qui travaille, qui a tout le bagage, qui a une route, qui a une lumière, qui a de l'eau. Les ça, nous avons un pays. Pas écouter le monde qui a dit nous, faut une transition dans le pays. Peuple haïtien, tout le monde qui n'a pas de politique. An gade an wè kout peyi a pou ale. Pi ka nou gade li retwè pou peyi a. An nou gade avan pou peyi a. Haïti bon politik, se Haïti selman gen politik sa. Apre de Haïti, mboko jan mwen politik sa nan oken lot peyi. Ronwen, paye mwen depi jen fan malaj de konesans, mwen jwen Haïti kon sa. M'leve m'grandi kon sa. Tout tantan de transition. On président monte autant de coup d'état qui sa yo fait bal transition. Nan transition pa jam pou ton solution. Bon, moi ni pa jam pou ton bon solution toujours. C'est poche yo vin plein pou yo al fè out yo. On ti groupe moun kembe ba la nan men yo yap tete ke le di Haïti a se pou yo selman la. Bon, moi jen nan men la nan chômage. A souffri passé misé al prend humiliation l'autre côté. Vous comprenez? Bon, al fait transition là, OK. Y a met en transition. Dans un an, est-ce que problème Haïti ka résoudre dans un an? Est-ce que un problème ka résoudre dans 2 ans? Li pa ka résoudre ni dans un an ni dans 2 ans. Bon, même si on a la transition pendant 5 années, problème Haïti pa ka résoudre. Vous comprenez? Que je dis, et pour ne yon mette tête yon ensemble, si yon font élection, pour yon faire élection. Vous comprenez? Ou bien tout, si pour ta transition, ou bien quitte yon venez là, les élections capable de faire, yon faire élection. Oui, bonjour Yannick. Oui, Yannick est capable, il est capable parce que pas rien qui est difficile. Pas rien qui est difficile depuis tout matériel là, tout bagage là. Il n'y a pas de bagarre qui est difficile, l'aime de bagarre qui est difficile là. Parce que, imagine-toi, nous t'ai dit que, l'aime qui est à mettre courant dans notre département, yo, pour moi-même, me demander qui est ça pour le faire, pour moi, le faire rapide. Vous comprenez? Moi, le faire rapide. Pas de bagarre qui n'est pas fait, non, Yannick. Vous comprenez? On a suivi nous. M'bah, quoi, et le swap qui est en fait. Haïti pas préparé pour référence d'homme nan fait pour élection gitan fait après 3 mois référence d'homme nan pour le fait il pas gitan c'est que trop tabarre président le pas gitan fait si référence d'homme nan te gitan fait
li te ka fè eleksyon, men pou le mouman, li pap gitan trot ap bari, li pap gitan fè tout, pou moun ki oposisyon, diaspora, tout bay sa ou palman, tout bay sa ou gen pou fèt, li pap gitan fè li. Se ke ap toujou gen palan pil, il pourrait y parler de pour gagner provisoire Haïti parce que les moments pas l'arrivée pour quitter le pouvoir faut le quitter peuple va pas accepter parce que opposition déjà a bail problème depuis les arrivé faut qu'il y aller trois tab bail faut ta faire élection hein faut pas ta gagner référence d'homme s'il gagne référence d'homme élection a fait trop tard. Merci. Sous téléphone moi pour inviter ma opinion sur le temps alloué aux élections en Haïti, est-ce que c'est possible? Je dirais, oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que si nous avons comparé avec l'élaboration d'un vaccin, le temps que ça prend pour élaborer un vaccin, ça prend entre 15 à 10 ans. Et tandis que si nous t'apprenons des vaccins comme Ebola, ça aurait été arrivé faire en 5 ans. Et si nous descendons plus bas encore, nous devons apprendre pour la COVID-19, il arrivé faire en 18 mois. Donc, nous avons une période d'adaptation. Si nous pas arriver à adapter nous à une réalité, c'est que nous on ti jan nous manquer parce que c'est un besoin, nous devons prouver que nous à la hauteur de répondre à un besoin. Et nous pas préparer pour nous faire élection comme il faut, eh bien nous pral obliger mettre les bouchées doubles pour nous faire élection, c'est un besoin. Qu'on le veuille ou non, ça prend un président, ça prend un représentant du peuple. Il faut absolument par tous les moyens qu'on ait un représentant du peuple. C'est tout. Merci. J'en s'entends de là, opinion est très partagée sur question élection pour septembre 2021 prochain. Ma rappelé nous en 2016, faut me souligner ça li extrêmement important. En 2016, yo te reporté premier tout scrutin pour une raison cyclonique. Voilà, journée aujourd'hui, nous retournons encore dans même démarche là. N'oubliez que si nous dans période si septembre, c'est période cyclonique, n'a foncé tête baissée. Bien. En attendant, CEPA la li ouvre inscription pour bientôt. Élection arrêté en impasse pour nous franchir vers la démocratie. Eh bien, comme c'est élection qui bail pouvoir mes amis, m'invitez nous tous en allant élection, en allant voter. Depuis élection lancée, élection date élection arrivée, c'est en allant élection pour nous voter candidat par nous, candidat nous faire confiance. C'est une façon pour nous rétablir valeur institution nous. Apprendre à mettre moun qui mérite place dans place ti doye. En nous suspendre privilégier médiocrité, en nous croire dans valeur, en nous croire dans éducation, en nous croire dans changement. Moment arrivé pour mettre en fin dans émission mon éditorial pour aujourd'hui. C'était un plaisir pour me débattre avec nous sous question élection dans le pays d'Haïti. Rendez-vous à Kassé pour un autre jour avec de nouvelles perspectives. Côté n'a toujours là pour nous venir parler de changement, pour nous venir parler de pays et puis pour nous débattre sous ça qui a fait, sous ça qui pas a fait. Non souci de transparence, non souci de débat contradictoire. M'invite à rester connecté à la chaîne là, m'a dit tout le monde merci. À très bientôt.